Pourrais-tu nous montrer ton visage ? Ah, ça oui, y a pas de souci. Et là, c'est le drame. Et c'est ainsi que Jordan, aussi sous le pseudonyme de Tutodrao, eut la révélation de sa vie. En effet, il décida de visionner les 10716 épisodes des Feux de l'Amour. Bienvenue dans cette petite vidéo FAQ où je réponds à vos questions que vous avez laissées dans l'annonce vidéo précédente. Donc on va commencer tout de suite par est-ce que j'ai pris des cours de dessin ? On m'a jamais donné de cours. Bon, sauf les cours d'art plastique qu'on a tous eu au collège ou au lycée. J'ai appris tout seul chez moi. Et il faut dire qu'Internet m'a donné accès à des tas de choses intéressantes sur le dessin. Zazu, comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne YouTube ? Alors ça remonte, il y a un peu plus de 5 ans, le dessin n'était pas trop à la mode sur YouTube, mais c'était plutôt le dessin digital. Je trouvais ça impressionnant de voir un dessin se construire de A à Z, avec une petite musique en arrière-plan. Ça m'a donné envie de m'acheter une palette graphique et d'essayer de moi aussi de faire pareil. Alors j'ai voulu faire une première vidéo, et depuis je n'ai jamais arrêté. Et ça me plaît toujours autant, voire plus. Sauf que maintenant, tout se passe sur papier. Quel métier rêves-tu de faire ? Un métier qui me plairait, c'est de travailler dans le cinéma. Que ce soit réalisateur ou dessinateur. Si c'est un film d'animation, par contre. Et je trouve que ce sont des métiers super passionnants où on peut faire un rapprochement avec les vidéos YouTube. Sais-tu cuisiner ? Si oui, que sais-tu faire ? Alors vous trouvez des personnes très douées en cuisine sur YouTube, mais c'est pas moi, Caroli. Bon, après j'avoue, je fais des fondants au Nutella. À quel âge as-tu réellement commencé à dessiner ? Le moment où le dessin est devenu une révélation, une vraie passion, aux alentours de mes 16 ans, et j'en ai 22 aujourd'hui. Alors je pense avoir répondu à ces questions, sauf celle-là. Est-ce que je suis un professionnel ou un amateur ? Je n'aime pas trop ce terme professionnel dans le dessin, car justement c'est quelque chose qui nous permet de se détacher de toutes ces chaînes, de la société. Alors on s'exprime et on crée ce qu'on veut, et ça c'est fantastique. On peut également faire son métier avec, et du coup je reprends la question de Clock, en tout cas merci à toi. Alors pour être transparent avec vous, oui je suis dans le dessin. Mon activité principale est de créer des vidéos comme celle-ci, et aujourd'hui grâce à ça je peux commencer de nouveaux projets et commencer à être autonome. Alors je fais des portraits, j'ai des petites demandes, des petits contrats, des illustrations, des choses comme ça. Et bientôt, je me lancerai dans la création d'un livre sur le dessin pour apprendre à dessiner. Alors, c'est une passion, mais c'est aussi un revenu pour moi. Ça peut l'être pour vous, quelle que soit votre passion ou ce que vous aimez faire. Il est possible d'arriver à combiner les deux. C'est un rêve, mais c'est réalisable. Comme tout, il faut que vous y allez pas à pas. Monter la première marche, crayonner sa première feuille ou rédiger son premier texte. Mais ne pas s'arrêter de marcher avec ses rêves. C'est possible d'arriver à avoir un coup de crayon comme toi sans avoir jamais vraiment dessiné. Alors déjà, merci pour le compliment. Si tu veux dire savoir faire ce que je peux faire sans jamais avoir touché un crayon, j'ai du mal à y croire parce qu'il faut s'habituer au matériel, s'habituer au support. Mais quelqu'un qui ne trouve à ses dessins aucun atout, même si vous pensez ne pas savoir dessiner, vous en êtes largement capable. Marion, le surréalisme en dessin ou en vrai ? Oui, j'aime beaucoup l'imaginaire et je crois aux esprits comme à la force de notre propre esprit. Mon style de musique, je n'ai pas vraiment de style favori, quasiment tous les styles font partie de mes goûts musicaux. Mais j'ai un faible pour l'instrument. Bilufdo, qu'aimes-tu le plus dans le dessin ? C'est les possibilités qu'il nous donne. Tout est réalisable dans le dessin. Alors, le dessin le plus difficile pour moi ? J'ai du mal à m'en rappeler. Il y a beaucoup de dessins où j'ai mis beaucoup de temps, d'autres où moins, mais j'ai eu beaucoup de mal à les faire. Mais voici un des plus longs. Arthur a laissé un commentaire. Tes proches ne peuvent qu'envier ton talent, n'est-ce pas ? Je suis sûr que tu me trolles avec ton orthographe, n'est-ce pas ? Alors je sais pas si mes proches envient mon talent, je vais leur demander. Yeah.
Bon, apparemment, elle est occupée. Je demande à ma copine. Je vais répondre aux autres questions. Est-ce que je garderai tous mes dessins? Alors pas forcément, j'en donne ou j'en perds. Un vieux dessin de mes 13 ans, je crois. Alors lui, je l'ai retrouvé par miracle sur mon ordi. Voilà, voilà. Pourrais-tu dessiner une image qui te représente? Avec plaisir. Alors j'espère que dans cette petite vidéo vous aurez appris un peu plus sur moi. En tout cas j'ai adoré faire ce montage. En ce qui concerne mes apparitions sur TutoDraw, c'est vrai que je préfère rester dans l'anonymat, donc ne pas me montrer, comme j'ai toujours fait. Mais depuis quelques jours j'ai ouvert ma nouvelle chaîne Mojo sur le thème de l'insolite et du mystérieux. Alors si vous voulez aussi me suivre plus personnellement, n'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est dans la description, ça me fera très plaisir. Je vous remercie encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo. Can anyone hear me? I'm crying. It's been so long since I felt this way. 3 million times have I turned this page. Start me goes until you're tired. Mais surtout de ne pas s'arrêter. Mais c'est possible d'arriver à avoir un coup de crayon comme toi sans avoir à parler. C'est possible d'arriver à avoir un coup de crayon comme toi sans avoir jamais vraiment. Alors c'est une question. C'est une question. Alors je sais pas trop si mes proches envient mon talent. Alors je sais pas si mes proches envient mon talent, je vais leur demander. Est-ce que tu envies mon talent? Non. Tu m'écoutes depuis tout à l'heure. Je vois que tu tournes la tête vers moi, tu me parles, je te réponds. Non, je t'écoute pas si tu veux. Alors où j'en étais-je? J'espère que sans... C'est les possibilités qu'il nous donne. La 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 la. Mais ne pas s'arrêter de marcher avec ses rêves. Tac, 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 tac. Qui est là? Ta mère. Mais ne pas s'arrêter de marcher avec ses rêves.